Bonjour. Pas mal de petits coins de verdure que je nous ai trouvés. Alors figurez-vous que cette émission est une première. Et oui, c'est la première fois que je visite la Bourgogne, en tout cas avec ma petite Micheline. Alors plus précisément, l'un des quatre départements de la Bourgogne, la Côte d'Or, avec une petite escapade en Saône-et-Loire. Et vous verrez que cette région est vraiment très riche en patrimoine, historique, architectural, gastronomique évidemment. Au programme, on visitera les fameux hospices de Beaune d'une façon un peu particulière. On va également pêcher le brochet. On farcira de la queue de cochon comme au Moyen-Âge. Et enfin, on cuisinera un dessert dans une feuille de chou. Et moi, j'ai voulu commencer ma balade en marchant le long du canal de Bourgogne. Parce que figurez-vous que c'est l'un des derniers dont les écluses sont contrôlées manuellement par des éclusiers en chair et en os. Et ça tombe bien, on va pouvoir en avoir un exemple parce qu'il y a une péniche dans l'écluse. C'est Louis XV qui ordonna le creusement du canal en 1775 pour s'achever en totalité en 1832. 242 km dédiés au transport des marchandises, rendus obsolètes quelques années seulement après avec l'arrivée du chemin de fer. Aujourd'hui, le canal de Bourgogne est essentiellement réservé à la navigation de plaisance. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui gérez l'écluse ici? Oui, c'est moi qui gère l'écluse. Bonjour, bonjour monsieur, Julie. À quoi ça sert les écluses? Un canal, il est formé d'écluses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est en pente. Il monte en altitude. D'accord. Pour combler la navigation, on est obligé de faire un escalier. Je n'avais pas pensé à ça. C'est un escalier. Et vous dépendez des voies navigables de France. Voies navigables de France, oui. Il faut peut-être que je vous laisse travailler, là. Il va râler, non, le monsieur de la péniche. Là, on va ouvrir un bateau. Je vais vous laisser le faire. Allez. À côté de vous. Chiche. Vous allez bouger une porte qui fait plus de 2 tonnes. Ah oh ben ça me fait pas peur. Voilà. Hein? J'ai pas touché. Tirez tout doucement, voilà. Allez, tirez. Mais attends, à l'aise. Finger in the nose, les 2 tonnes, hein? Ça y est. Ça fonctionne comme ça depuis des siècles, non? Ces portes-là, elles ont été posées dans les années 1895. Et le canal, lui, date de quelle époque? Les premiers bateaux qui ont monté à Dijon sont en 1808. D'accord. Bon ben, allez, bonne route, bon vent. Au revoir. Alors là, Alain, c'est votre maison? Oui, c'est où j'habite à l'année. Et on vous prévient de l'arrivée des péniches? On est prévenu par portable. Mais là, il y a un bateau tous les combien, par exemple? Ça dépend. En ce moment, on a... Tous les 15 jours? Non, on a en moyenne un ou deux bateaux jour en ce moment, à peu en près. En ce moment, après, ça dépend de la saison. Après, ça augmente. Bah oui. Et c'est pas régulier. Avant de repartir, Alain propose de me faire découvrir un lieu mystérieux rempli de trésors. Pardon. Oh là, incroyable. C'est quoi? C'est un musée du canal? La mémoire du canal? C'est une mémoire. La mémoire... un petit peu historique du canal. Ouais. Et puis la mémoire aussi de ce que j'ai vécu. Mon Dieu, mais il y a combien d'objets ici? Des milliers. D'accord. Et vous étiez pilote de chasse? Non, c'est parce qu'on est à proximité de la base. Ah bon? La base aérienne d'ABA 102. Ah donc en fait, il voilà. Y a des évocations de tout ce qui fait votre paysage. Voilà, ce qui tourne autour de l'écluse, de ma vie, de tout. Ah, vous êtes un poète, vous, hein? Peut-être pas. Donc c'est vous qui proposez aux gens de venir visiter voilà, le musée? Voilà, c'est moi qui propose de venir, aux gens de venir ici, où ils voient les pancartes et puis on passe des très bons moments. Moi, je ne savais pas, vous voyez. Je suis tombée sur vous par hasard, mais c'est une heureuse surprise. Et c'est un des rares musées, outre sa taille, qui est quand même assez rare, qui est en partie fait par les visiteurs. Voilà, il est fait par les visiteurs. C'est une belle initiative. Ah, je continue mon tour, hein? Oui. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser dans votre coin de paradis. Au salut plaisir. Alain, merci. Allez, au revoir. Allez, je vous fais un bisou. Et au plaisir. Et bravo, hein. On espère un jour vous revoir. Et justement, j'allais vous dire, la prochaine fois, je viendrai en péniche. Peut-être en bateau. Ouais, ça m'a fait envie. Voilà. À bientôt. Allez, au revoir. Pour la première étape de notre balade bourguignonne, je vous propose une petite partie de pêche avec Jean-Luc, qui est un pêcheur amateur, qui pêche depuis sa plus tendre enfance et qui prépare une recette très ancienne. Elle daterait du XVIe siècle, qui s'appelle la pochouse. La pochouse vient de la poche dans laquelle on mettait les poissons et les pochous étaient les pêcheurs. Alors c'est une sorte de matelote faite avec du vin blanc de Bourgogne évidemment et des poissons de rivière ou de lac. En général, on y met du brochet. C'est d'ailleurs le poisson qu'on va tenter de pêcher. Ne jamais vendre la peau du poisson avant de l'avoir tué. Bonjour.
Bonjour Jean-Luc. Bonjour Julie. J'arrive. Faut que je vienne à la nage? Non, je mets deux coups de rame et je suis là. Ah, oh, ça c'est sympa. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oh là là, mais vous avez la tenue de l'aventurier, pas du pêcheur, hein? C'est Indiana Jones. C'est ce qu'on me dit de temps en temps, oui. Alors vous venez souvent pêcher ici? De temps en temps, oui. Y a plusieurs endroits sur lesquels on peut pêcher. C'est surtout les lacs. Plus que les rivières, alors? Ben, pour trouver du brochet, oui. Ça se rafraîchit quand même, hein, malgré le soleil. Il y a un petit air frais, ah, oui. Qui est... C'est un peu humide en même temps, si c'est pas humide sur un lac. Ouais. On se demande où, hein. Je suis mignonne comme ça. Bon, mais je pense que là, on est pas mal, hein. Ouais. On est entouré d'arbres, le d'accord. Brochet... On est à l'abri du vent. On est à l'abri du vent. On y va? Ah ben, on commence? Va. Allez. Avez-vous déjà pêché? Oui. Il faut avant tout respecter une règle d'or pour pêcher le brochet qui aujourd'hui se raréfie. Il doit mesurer au minimum 60 cm. En dessous de cette taille, le poisson est remis à l'eau. Jean-Luc opte pour une pêche à la cuillère avec un leurre capable de faire face aux attaques foudroyantes du brochet. Donc le leurre est tombé, on le voit un tout petit peu flotter. Je tends mon fil et puis après là, je l'anime. Donc je l'anime de façon un petit peu saccadée, c'est-à-dire que je le tire pour qu'il nage un petit peu dans tous les sens. Et je fais un petit stop. C'est-à-dire qu'au moment du stop, s'il y a un brochet dans les parages, c'est à ce moment-là qu'il attaque. Ah, c'est là qu'il peut le manger, ouais. Enfin l'attraper. En fait, il faut l'animer comme un poisson, quoi, c'est ça, pour lui donner une vie de poisson. Voilà. Plus un poisson, on le fait un peu malade, puisque le brochet, il s'attaque de préférence au poisson malade. Déjà, c'est plus facile. C'est une belle mentalité, je vous félicite pas dans la région. Hein. Après, je pourrais le faire? Eh ben, pourquoi après? Allez, maintenant. Hein? Alors, je vous ai pas trop regardé dans le geste. Il faut tenir ici, la canne, ici. D'accord, comme ça. Il faut soulever le pick-up. Mmh. Avec l'index... On vient prendre le fil. Prendre le fil. C'est ça. Voilà. Et après, vous prenez un petit peu d'élan par derrière. Ouais. Voilà. Et là, je me prends pour zéro. Et lancé. Voilà. Ouais, super. Et même pas accroché. Formidable. Alors, je referme le truc. Fermez le pick-up. Le pick-up. Voilà. Et je le remballe. Voilà. En avant. Voilà. En là, avant, vous pouvez y aller de façon plus dynamique parce que le brochet, c'est un poisson. Ah oui, d'accord. Il faut vraiment l'énerver, d'attaque. Quoi. Voilà. S'il n'a pas faim. Il peut attaquer uniquement parce qu'on est sur son territoire, qu'on le dérange. Voilà. Ah, j'ai compris, d'accord. Pour augmenter nos chances de repartir avec de quoi cuisiner, Jean-Luc opte pour une autre technique, semble-t-il plus efficace, avec un appât vivant. Disons que là, c'est une pêche un petit peu plus passive. Hein. Parce que vous voulez dire, le poisson fait son trajet voilà. Tout seul, on n'a pas à le titiller. Quoi. Voilà. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'on a mangé, si on a un petit coup de... fatigue, on tend nos cannes, et on tend les jambes, et puis voilà. Ah là, on en a un, là. Non, sans blague. Alors, mais pourquoi vous moulinez pas? Ah non, c'est vrai, parce que vous roulez votre clope. Un petit peu, là, tiens, puis, allez. D'accord. Allez, je vous laisse le ferrer. Mais le ferrer, c'est-à-dire... Allez, hop. Ah, mais le ferrer, il faut le soulever. Hop, 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 c'est énorme. Hop. Ça fait un petit peu... Oh là, oh là, là, là. Hop, là, dites-donc, c'est un gros, non? On a de la chance, oui, il est beau. Voilà. Oh, Jean-Luc, alors là, chapeau. Hein, respect. Eh oui, c'est un beau calibre. Hein. Bon, donc on a la pochouse. On a la pochouse, oui. Allez, c'est dans la pochouse. On y va. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Ouais, Jean-Luc, merci pour cette pêche miraculeuse un peu quand même. Hein. Enfin, fructueuse en tout cas. Merci. Hop. C'est moi. Nous reprenons la route direction Verdun-sur-le-Doubs, la capitale de cette fameuse pochouse dont les origines remonteraient au XVIe siècle. Je suis curieuse d'en découvrir le tour de main aux côtés de Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Julie. Ah bah ça y est, elle est déjà à l'ouvrage. Eh ben oui. Je vous fais un bisou. Donc vous êtes la cuisinière du pêcheur, c'est ça? Et la femme oui, surtout. Et la femme surtout, ouais. Et il est où ce brochet alors? Je l'ai mis au frais, puisque comme on avait du soleil, ouais, le poisson ça tourne c'est vite. Vrai. Donc, vous n'avez pas l'habitude d'avoir du soleil ici en plus. Ah hein. Si, il ne faut pas exagérer. J'ai arrêté. Qu'est-ce qu'on en fait de ce brochet? Mais la première étape, c'est eh bien, on va sortir pour les cailler, on les caille pas à l'intérieur, hein, puisque ah oui, on en met partout, sinon. Partout. Ça, c'est le travail du pêcheur. Ah oui, bien les cailler. Chacun ses rôles bien répartis. Exactement. Si vous voulez essayer, hein, dites, je comprends mais que Valérie n'ait pas envie que vous fassiez ça dans non. Sa cuisine. Voilà. C'est marrant, tout d'un coup, voilà, ça m'éclaire. Ah bah oui, je veux bien essayer, je vais faire l'autre côté. Alors, c'est pas dans les poissons les plus durs à écailler. Hein, Non, il y a des poissons qui sont plus difficiles à écailler. La perche et la tanche sont les deux plus durs à écailler, oui. Pour ça, vous le faites faire par le poissonnier, du coup. Voilà. Et la tête, on va l'utiliser parce que ça donne du goût, ça. Non, je l'utilise pas. Je ne la mets pas dans la pochouse. D'accord. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah maintenant, il est défait. Écaillé, vidé. Ouais. On va le laver. Mm-hmm.
Et puis après, mon rôle va s'arrêter. Je vais passer l'heure l'air. Mettez les pieds sous la table. La pochouse consiste en un mélange de 4 poissons d'eau douce, 2 à chair maigre, le brochet et la perche, et 2 à chair grasse, comme l'anguille et la tanche. Une fois tronçonnés, ils peuvent être cuisinés en matelote. Et alors, une fois qu'on a les poissons, on va récupérer le brochet, si Jean-Luc s'est pas endormi dessus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà préparer notre marmite. D'accord. Qu'est-ce qu'on met dans la marmite? Dites-moi tout. Alors, pour ça, Julie, vous pouvez prendre du gros sel. Du gros sel. Voilà, dans la main à sel. On en met une bonne... Une bonne dose? Allez, c'est parti. Un peu plus? Un petit peu. Bah, ce sont des poissons d'eau douce, donc c'est vrai qu'il faut quand même relever un peu, contrairement aux poissons de mer. Alors, vous pouvez prendre le poivre blanc concassé. Le poivre blanc, voilà, pareil. D'accord. Allez, on prend encore. Un petit peu. Quand même. Voilà. Corser, hein. Super, oui, c'est corsé. Allez, on dispose le thym. Dans le fond aussi. Dans le fond aussi, voilà. Et après, et puis, alors, l'ail, vous pouvez le couper carrément. Comme ça, au milieu. Hop. Super, et on met tout dedans. Mais avec les peaux. Ah oui, je mets tout dedans. Tout dedans. Voilà. Regarde. Allez. Une, deux. Allez. Voilà. Allez. Voilà. Ensuite, et là, on peut disposer notre poisson. Donc on les verse directement ou on les plonge joliment quand même? Non, non. C'est-à-dire que généralement, je les trie dans mon fond de ma... Vous les mettez par type de poisson? Oui, parce que je vais vous dire, je vais vérifier la cuisson avec l'anguille. Quand l'anguille se défait un petit peu, c'est que les autres poissons sont cuits. C'est cuit, d'accord. Voilà. Jean-Luc? J'arrive. Ah, je vous mets la pression. Voilà, non. Hop, voilà. Et voilà. Anguille, et il nous manque plus que le brochet, justement. Voilà, exactement. Je vous regarde faire, hein, c'est impressionnant. Il faut quand même une sacrée poigne. Hein. Oui. Il résiste, hein, il n'y a pas que les dents. Voilà. Pour la sauce, nous débutons un roux en faisant cuire 50 g de farine et 50 g de beurre. On le réserve ensuite. Alors, on arrose de vin. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est pas un vin de table, hein, c'est quand même de la ligoter. Oui, bien sûr. Allez. On couvre. Donc, et on y va encore? Encore. Ah oui, encore. Donc, on porte à ébullition afin que l'alcool s'évapore. Puis nous laissons mijoter pendant 20 minutes. Pour la pochouse de Valérie, nous avons besoin d'un brochet de 1,5 kg environ, une perche d'un kilo, une anguille d'un kilo, une tanche d'un kilo, 2 têtes d'ail, 4 bouteilles de vin blanc de Bourgogne, type aligoté, des brins de thym, et pour le roux, 50 g de beurre et 50 g de farine. Dernière étape de la recette, il faut mouiller le roux. Et on prend du bouillon avec lequel on va le roux. Voilà. Super. Alors là, vous cherchez à obtenir quelle consistance? Il faut qu'elle soit pas trop épais. D'accord. Laisse bouillir. Le temps de préparer quelques croûtons maison frottés à l'ail, la pochouse est cuite. Les enfants! Le reste de la famille nous rejoint pour déguster cette bouillabaisse du Nord. Et salut Lison. Bon les enfants, la pochouse de maman et de papa, surtout le pêcheur. Hein. Alors vous aimez ça, vous connaissez ce plat? Et alors sérieusement, vous aimez manger les poissons avec la peau, les arêtes, la colonne, tout ça? Et l'ail? Ça va. Lui disant, j'aurais pas dû lui dire, là, il est en train de se dire, bah finalement, maintenant que tu le dis... Non, mais on a toujours l'impression que les enfants, ils aiment les poissons carrés surgelés panés. Bah non, comme quoi, les enfants de pêcheurs, en tout cas, ils sont bien éduqués. Voilà. Ouais, c'est chouette. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'on... Vous avez entendu le joli bruit. Ouais. On accompagne toujours la pochouse avec un vin blanc. Bah oui, bien sûr. J'avais un grand-père pêcheur, j'avais un autre grand-père qui était viticulteur à Puligny. À Puligny-Montrachet. Oh, donc on accompagne toujours la pochouse d'un Puligny-Montrachet. Un grand-père pêcheur de brochet, j'imagine, entre autres, et un grand-père viticulteur. Vous êtes l'homme de la pochouse, vous. Hein. Ben, ma foi... Ça se rencontre chez vous. Modeste, hein, mais c'est vrai qu'il y a un bel... C'est gentil, parce que là, c'est quand même une très belle appellation. Ouais. Et alors, l'idée, c'est de passer d'un poisson à l'autre, en fait. Exactement. On goûte un petit peu de tanche, un petit peu d'anguille, etc. Est-ce que maman est un petit peu moi aussi, on l'a bien réussi aujourd'hui? Oui. Mais ça, c'est grâce au brochet de papa. Hein. Ça, c'est le secret. Hein. En tout cas, c'est une œuvre collective. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde participe, oui, c'est vrai que... Ah oui. L'ail est très discret. Mais l'alcool aussi, quelque part. Oui, alors ça donne une acidité, mais parce qu'effectivement, ça a quand même bien cuit, donc l'alcool s'est évaporé. Bon, dites donc, puisqu'on en a fait beaucoup, parce que j'ai compris que c'était un plat un peu d'exception, donc quand on en fait, on en profite pour nourrir toute la famille. Oui.
Peut-être que s'il en reste un petit peu, vous pourriez venir avec, juste avec les restes, au banquet que je vais organiser à la fin de mon séjour. Ce sera au hameau de Blagny, vous connaissez ? Oui, d'accord. Eh ben voilà, on vous attend. Ben volontiers. Volontiers, c'est gentil. Salut tout le monde, merci. Salut, merci beaucoup. Merci la jolie famille. Je quitte la famille de pêcheurs, ou plus exactement de Pochou, direction Beaune, à 45 km au sud de Dijon, ville d'art et d'histoire, connue pour ses joyaux architecturaux. Voilà à Beaune, étape incontournable puisqu'il s'agit de la capitale des vins de Bourgogne et pendant très longtemps l'une des résidences des ducs de Bourgogne. D'ailleurs, le chancelier des ducs de Bourgogne, l'équivalent d'un premier ministre à l'époque, a décidé au XVe siècle d'édifier le bâtiment devant lequel nous nous trouvons, les célèbres hospices de Beaune. Comme son nom l'indique, les hospices ont été pendant très longtemps, jusque dans les années 70 d'ailleurs, un hôpital, mais chose plus rare, un hôpital destiné à recevoir des pauvres et à les soigner gratuitement. Il faut dire qu'à l'époque, au XVe siècle, on sortait de la guerre de Cent Ans. Et les pauvres, les déshérités, les malades ne manquaient pas en France. Alors, le bâtiment est vraiment un fleuron de l'architecture moyenâgeuse, au confluent du Moyen-Âge d'ailleurs et de la Renaissance. À l'extérieur, il paraît assez sobre, mais vous verrez à l'intérieur, c'est la flamboyance, et notamment la flamboyance des toits, les fameux toits de tuiles vernissées. Et nous, on va justement aider à l'entretien, à la rénovation de ces toits avec Bruno. Allez, je vous emmène. Bonjour Bruno. Bonjour Julie, enchanté. Bonjour. 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 Alors vous êtes le couvreur des hospices de Beaune. Enfin, un des couvreurs des hospices de Beaune. Oui. Et alors pourquoi, comment expliquez-vous que d'un côté on ait un toit en ardoise et d'un autre côté en tuiles vernissées? C'est deux oppositions de style, un style gothique avec des tuiles vernissées très colorées, très flamboyantes, et une partie renaissance qui est un petit peu plus austère. Et alors, bon, vous n'êtes pas historien, vous n'êtes pas guide non plus, mais vous connaissez un petit peu la maison. On essaie de se documenter un petit peu, on est d'accord. Tout à fait. Oui, et alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Hôtel Dieu et qu'est-ce qui se passe dans ces bâtiments? Quelles étaient les destinations des deux? La partie en tuiles vernissées, c'est beaucoup plus l'administration, les parties cuisine, toutes déjà les parties administratives de l'époque, où les sœurs résidaient et tous les patients étaient logés dans la salle des pauvres, ce qu'on appelle la salle des pauvres. D'accord. Voilà. Et alors, c'est peut-être justement pour que les pauvres puissent avoir cette jolie vue chatoyante que la partie tuiles vernissées a été mise à l'opposé. Ouais, je comprends. Alors, en quoi consiste votre métier, Bruno? Écoutez, vous allez me suivre. Je vous propose de monter dans la nacelle. Ah, je vais vous expliquer. Tout à fait. Je vais vous laisser vous équiper. Pour un couvreur, le contraire aurait été étonnant. Aïe, ouh! J'appuie sur le starter. Ça vous fait pas mal. Et voici que je quitte la terre. Et alors cette huile, donc c'est de la terre cuite vernissée. C'est de la terre cuite vernissée sur sa partie apparente, ce qu'on appelle la partie apparente, là, ce que l'on voit, c'est le pureau. La tuile, c'est de l'argile qui est cuite, donc l'argile a une certaine porosité. Ouais. Le fait de vernir la tuile, ça permet de protéger la tuile et l'humidité. C'est pas seulement décoratif. Ce n'est pas seulement décoratif. Oh là là, et en plus, là, on commence à voir les toits de Beaune. Qu'est-ce qu'on a là comme monument? C'est la cathédrale? Oui, c'est la cathédrale, avec la chapelle du Mouton. Là. Et les formes géométriques, est-ce que c'était représentatif de quelque chose ou c'était juste décoratif? Entre les Bourbons et les Valois, ça permettait de distinguer un petit les peu familles un peu, de mettre son sceau. Un signe distinctif pour effectivement revendiquer un petit peu son appartenance. Votre boulot consiste en quoi? Donc tous les ans, on fait un contrôle complet de tous les ornements de fêtage, les girouettes, on contrôle les tuiles qui sont à changer. On fait un petit diagnostic. Il y en a qui sont quoi, cassées, abîmées, les tuiles cassées, la peinture qui est partie. De manière à ce que ça ne tombe pas sur les visiteurs. Donc les couleurs étaient les mêmes au XVe siècle quand on a posé ce toit? Sensiblement les mêmes, oui. Oui, les techniques n'ont pas évolué. Et les tuiles vernissées, ça peut durer combien de temps, pour avoir une idée? Entre 100 et 120, 130 ans. On va en retirer une pour regarder l'état général de la tuile. Pardon. Voilà. Puis regardez un petit peu, on va essayer d'en retirer une. On va en retirer plusieurs. Ah oui, c'est beaucoup plus long que la partie apparente. Tout à fait. Donc la partie visible, c'est le pureau, apparent. Un il y a le pureau caché, la partie cette bande-là, et le recouvrement. Donc l'utilité du crochet, sachant que cette tuile-là,
n'a pas de tenon pour tenir la tuile sur le litho. D'accord, elle est juste tenue par en dessous. C'est le crochet qui tient la tuile. Pourquoi est-elle biseautée là en bout de tuile? Pour deux raisons. Elle est biseautée ne serait-ce que pour profiler la tuile, pour avoir un profil au niveau du vent. Le vent s'accroche moins. Ah, et ça permet aussi de moins refléter les ombres. Ça permet d'avoir le nez beaucoup plus fin. La tuile est relativement épaisse. Parce que si elle continuait sans être biseautée, il y aurait plus d'ombre portée sur la tuile d'en dessous. Tout à fait. Donc, et ce serait moins joli. Un côté esthétique aussi. Et puis, c'est une utilité aussi au niveau du vent. Vous faites un beau métier. Vous avez la tête dans les nuages, vous? Ah, tout à fait. Oui. Mais bon, faut avoir les pieds sur terre quand même. Aussi. Les hospices se visitent et vus de l'intérieur, c'est tout aussi imposant. La salle des pauvres permet d'aller au plus près des conditions de vie des malades et des sœurs hospitalières. Ornée de poutres polychromes, elle révèle un alignement de lits organisé pour respecter l'intimité de chacun, tout particulièrement lors des soins administrés par les sœurs. Ces sœurs qui veillaient également à l'élaboration des repas dans une cuisine où le temps semble s'être arrêté. Merci Bruno, c'était une super visite. Très heureux de vous avoir accueilli. C'est gentil. Puis la prochaine fois que vous avez un toit, vous m'appelez. Hein. Tout à fait. Je visite la France avec vous. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, on va retrouver le plancher des vaches, ou plutôt le plancher des cochons, puisqu'on va apprendre à cuisiner un morceau de l'animal qui est souvent délaissé. C'est la queue de cochon. C'est une spécialité bourguignonne, la queue de cochon farcie. Et c'est un spécialiste de cuisine médiévale, parce que c'est une recette très ancienne, qui va nous la transmettre. C'est Jean, et Jean habite Beaune. Ça tombe bien, c'est pas très loin. Bien. Je vous embrasse. Moi aussi. Alors, dans notre Bourgogne? Bah oui. Parfait. Avec plaisir et avec plaisir. Le soleil en plus. Eh ben oui, c'est vrai qu'on a de la chance. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, tiens, je vais enlever mon blouson. Merci. Et puis l'écharpe. Et puis tout. Voilà, prête à cuisiner. On va la mettre dans la manche, comme ça on va la retrouver. Oh, quel tout service tout. Vous n'auriez pas fait de la restauration, vous? Ah si. Je vais vous dire que vous étiez un ancien cuisinier. Effectivement. J'ai eu dans ma vie, j'ai fait 46 ans de métier. Et vous cuisinez encore après 46 ans de métier, vous n'êtes pas lassé? Gentiment, je cuisine gentiment. Alors, comment on cuit ce fameux morceau, la queue de cochon? Alors, c'est queue de cochon. Bah, c'est ça? Justement, d'accord. Je les ai déjà cuites. Ça se fait comme un bouillon, comme le petit salé. Comme un pot-au-feu, un petit salé, d'accord. Donc là, vous les avez cuites donc alors, pendant une heure et demie. Et après, vous les avez quoi? Ouvertes en deux, c'est alors, ça? Alors, j'ai fait comme ça. Vous voyez, regardez, c'est simple, hein. On enlève les os, d'accord. Voilà, on l'ouvre. D'accord. Et en fait, c'est justement en retirant le bout de la colonne vertébrale, finalement, qu'on va pouvoir farcir la queue. C'est dans cette cavité. Ça. Ah, c'est un travail de chirurgien, votre truc, hein? Oui. J'espère qu'ils ne s'y prennent pas comme moi. Hein. Oui, ça va. Et alors, après, là, je suis vraiment tout au bout. Il faut que je tire. Oui, regardez-moi ce que j'ai fait. On récupère le maigre. Ah, j'en ai mis un peu à côté. Parce qu'on va l'utiliser, hein, il y aura juste... Vous voyez? Voilà, parce que... regardez, comment vous trouvez ça? Eh ben, c'est génial. Mais sauf que maintenant, j'enlève le maigre. Il faut enlever le maigre. D'accord. Il faut la mettre complètement à plat, comme ça. D'accord. Monsieur, ben voilà, une vraie spécialiste, dis donc. Comme vous y allez, enfin. C'est vrai qu'on ne voit plus ça dans les restaurants. Ben non. Ça, c'est une recette qui est très, très, très ancienne. On réalise ensuite une farce essentiellement composée de foie de volaille haché cru et de maigre de jarret de porc. Nous épluchons deux échalotes que l'on fait fondre sans coloration à la poêle pour réaliser une duxelle de champignons de Paris et de trompette de la mort. Alors ça, c'est un champignon des bois qui a la forme d'une trompette et qui a la particularité d'être creux à l'intérieur. Exactement. Et ça se ramasse plutôt à l'automne, comme beaucoup de champignons. Oui. Après une petite averse dans les bois. Surtout que nous, on en trouve pas mal aussi chez nous ici. C'est vrai? Ah oui. Et alors, cette cuisine médiévale qui vous inspire tant, quelle en est la caractéristique? Beaucoup d'épices. Le poivre noir, le gingembre. Ouais. Donc ça, c'était vraiment c'est une cuisine épicée, une cuisine acide aussi, non? Un peu acidulée. Acidulée, une cuisine salée sucrée. Avec beaucoup de vin, d'ailleurs. Et puis avec beaucoup de vin, on n'a rien inventé. Hein. C'est vrai. Ça va, c'est bon. Ben, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, c'est non? C'est parfait. Allez, on s'arrête là. On va rajouter... Un œuf. Allez. Donc je les mets dans la farce? C'est pas trop sec. Une partie dans la farce, c'est ça? Oui. C'est pas trop sec, non? Ah ben j'en sais rien, moi. Vous m'avez dit de le faire comme ça. C'est bon. Voilà, donc une farce fine comme ça. Tout simple.
Voilà. Alors, et ça, dites-moi, ça, c'est de la crépine. Ça, c'est la crépine qu'on va envelopper. C'est ce qui entoure les viscères, en fait. Exactement, c'est ça. C'est ça. Ouais, dis donc, vous avez une bonne technologie. Technologie, en tout cas, je suppose des questions à mon boucher. Qu'on appelle crépine ou coiffe. Je sais pas comment vous allez réussir à partir ça. Hein. Sur le papier, c'est pas évident, quand même. Ah ouais? Y a pas de souci. Je goûte, hein. Faut toujours goûter le produit. Ça a du goût, hein. Ah oui. Comme toujours, la viande près des os, c'est quand même celle qui a le plus de goût. Exactement. Et puis donc, un petit boudin, on se la met comme ça. Allez. C'est une cuisine de doigts, hein. Il faut prendre des... Ah bah, ça me fait pas peur. Ça fait pas peur, hein. Vous voyez, il y a aussi ces morceaux-là qu'on peut mettre dedans aussi. Ah bah tiens, ma gêne, ils étaient là, c'est vrai. C'est pour ça que... On aurait dû les mettre dans la farce direct. Non, il y en a déjà eu. D'accord. Vous allez voir, ça va faire du... Ça va donner des morceaux à mâcher. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. Et ça roule. Et ça va rouler. Et vous savez que c'est joli quand même, parce que c'est vrai que, dit comme ça, la queue de cochon farcie, bon... Ça fait pas rêver dans les chaumières, mais là, ça marche bien, hein, c'est jojo. Je sais bien que ça fait pas rêver dans les chaumières, mais quand on a ça dans l'assiette... Et voilà, comme quoi, il faut s'y frotter. J'y mets de côté, donc ça prenne un petit peu de forme. Ouais. Ça resserre un donc peu. Donc on met au froid. Et on met au froid. D'accord. Okay. Et après, on va le poêler. Et puis après, on y poêle. Après, le nem des Chinois, la queue de cochon des Bourguignons. Eh ben oui. C'est un peu ça. Eh oui. OK. Alors, Julie... Cela se marie parfaitement avec une autre recette très ancienne dont Jean a le secret, probablement antérieure au XVe siècle, la purée bressane. Elle se compose de haricots rouges, de pommes de terre, de céleri et de châtaigne, cuit à l'eau environ 45 minutes à 1 heure, le tout mouliné comme une traditionnelle purée. Et pour apporter un peu d'onctuosité, c'est tout en légèreté que Jean ajoute un peu de beurre. Haricots marron, beurre et crème, dites-moi, avec ça, après on va se coucher. Et vous, vous dites que vous faites de la cuisine légère. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une cuisine. C'est une cuisine de bistrot, hein. Ah bah écoutez, moi, c'est tout ce que j'aime, alors ça me va très bien. Allez, on pédale. On pédale, c'est très bien. Oui, c'est comme ça qu'on... Je vais qu'on... le faire, hein. Ouais. Ça va. Oh bah attendez, je suis un pfff, là. Eh, comment on est là? Pas mal, non? Ah bah, moi, je dis qu'on est très bien. Bah, pour deux, on est... je crois qu'on est Par bon. Contre, il va falloir qu'on la goûte et puis qu'on la sale. On met de la crème aussi pour bien l'alléger, hein. Oui. Je me disais, il est sérieux, il est pas sérieux. Mais un peu sérieux quand même. Est-ce qu'on poêlerait pas nos queues, comme on dit chez nous? On va y aller. Et qu'est-ce que vous faites là, Alain? Dites-moi. Alors, donc là, je vais la fariner un petit peu. Ah. J'ai mis de la semoule de blé dur. D'accord, pour que ça croustille un peu. Pour que ça croustille. D'accord. Donc on met un tout petit peu d'huile dans le fond, hein, de la poêle. Oui. Juste pour que ça dore. Alors, je surveille d'un œil et d'un autre œil, je vais noter la recette. Pour farcir des queues de cochon à l'ancienne, il nous faudra déjà 6 queues de cochon, 300 g de jarret de porc, 300 g de foie de volaille, 2 échalotes, 1 œuf, 100 g de trompette de la mort séchée et 200 g de champignons de Paris, du gingembre en poudre, du poivre et de la cannelle, 20 g de beurre et de la semoule de blé. Eh ben, fallait venir jusqu'ici et vous rencontrer pour goûter ça, hein. C'est pas dans toutes les maisons. Allez. Bon appétit, Julie. Merci, vous aussi. J'attaque. On n'a pas du tout le gras en bouche. Non, c'est vrai. En fait, vous avez suffisamment dégraissé oui. pour avoir vraiment la couenne qui entoure et le maigre à l'intérieur. Oui. Mmh. Alors, le côté croustillant autour est bien moelleux à l'intérieur. Oui. Alors là, chapeau. Bon, dites-moi, j'ai vu qu'il vous restait des queues de cochon. Oui. Et oui, bien sûr qu'il en reste. Et vous, donc, je suppose que vous avez un peu de temps maintenant que vous êtes à la retraite. Oui, j'ai du temps, oui. Bien Alors, sûr. Est-ce que vous pourriez être avec moi pour le banquet que je vais faire à la fin de mon séjour? Il n'y a pas de souci, je serai là, je serai présent. Ben, merci, Jean. Julie, bye bye. Ça m'a fait plaisir. Et puis surtout, je compte sur vous, Blany. Yes. On est une dizaine. Il va falloir en tuer des cochons. Allez, merci, Jean, salut. Bye, ciao. Incontournable de toute bonne visite de la Bourgogne qui se respecte, c'est-à-dire la visite d'un domaine viticole, d'un clos comme on dit ici. En l'occurrence, il s'agit d'un château, c'est un très beau château du XVIIIe siècle qui a été construit à Pommard et ça s'appelle donc le château de Pommard. Et c'est Cécile qui est directrice du château qui va nous parler des spécificités de ce vin et plus largement des vins de Bourgogne. Come a little gamble.
Bonjour Julie. Bonjour Cécile. Bienvenue au château. Merci, c'est magnifique. Alors pour une fois, là, un château mérite vraiment le nom de château, là. Hein. Il existe vraiment. Il existe depuis 300 ans, ce château. Ouais. C'est un domaine viticole extraordinaire, ici en Bourgogne, et complètement atypique, puisqu'ici, nous sommes un château, mais avant tout, nous sommes propriétaires récoltants de vin. Et c'est donc... Ça, c'est une des spécificités, quand même, du système vigneron ici en Bourgogne. Oui. C'est que la plupart des vignerons vinifient eux-mêmes sur leur propre domaine. Tout à fait. Mais je vais vous raconter tout ça. Allez, fiche. Le château a gardé au fil des siècles son statut de seigneurie du tourisme œnologique. Et justement, un grand nombre d'outils ont été conservés, notamment un important pressoir du XVIIe siècle, donnant à voir comment étaient travaillés ces 20 hectares clôturés d'un mur érigé au XVIIIe. Nous continuons la découverte des lieux en passant par la cuisine d'apparat, où se trouve un système de cuisson très ingénieux. Vous mettiez la pièce à rôtir ici. Le contrepoids permet de programmer le temps de cuisson. Selon le poids qu'on y met. Descend petit à petit. Et puis donc, la pièce tourne. Le jus tombe dans le ce réceptacle. Et passe ici, est remonté par les petits godets. Et redistribué sur la bête. Et quand ça sonne. Le jus est rebalancé sur l'animal. Ouais. Et alors là, vous faites des pièces rôties magnifiques. Mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Ben non, mais vous c'était l'ancêtre. Parfois, le progrès va à l'envers. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut ouvrir son four, aller arroser son poulet à la cuillère. Mais ce que me propose de découvrir Cécile maintenant, c'est la concrétisation de tout le travail fourni sur le domaine. Direction la cave, la pouponnière comme elle l'appelle, où chaque vin est élevé en fût de chêne de 18 à 24 mois, bonifiant ainsi un raisin qui a profité d'une autre spécificité bien bourguignonne. Une question, on parle des fameux climats de Bourgogne, qu'on essaye d'ailleurs de classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un climat exactement ici ? Alors, un climat, ce n'est pas la météo. Un climat, c'est la conjonction de plusieurs choses, c'est-à-dire le terroir, le sous-sol, l'orientation, le soleil, c'est toutes ces choses différentes que vous avez dans les différents villages de Bourgogne. Et c'est quelque chose d'exceptionnel que l'on ne trouve qu'en Bourgogne. Vous voulez dire cette variété, cette multitude de climats. Et donc ici, nous avons 8 parcelles, 8 climats différents que l'on va ensuite pouvoir assembler. Et donc, le maître de chef va pouvoir faire un petit peu à la manière des magiciens avec ses petites éprouvettes. Il va doser tel et tel. Vous en parlez bien. Parce que je le déguste bien. Ah bah oui, je comprends. Faut pas avoir bu un coup ici. Hein. Ah non. Bon, bah merci Cécile pour cette visite et cette découverte. C'était vraiment plaisant de vous recevoir. Je vous fais un petit bisou. À bientôt. Je suis un petit peu frustrée quand même parce que je n'ai pas dégusté. Mais si vous êtes partante, moi j'organise un grand banquet à Blagny à la fin de mon séjour ici en Bourgogne. Et ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. Puis si par hasard vous tombez sur quelques bonnes bouteilles, n'hésitez pas à les apporter. Eh bien écoutez, je crois que je vais chercher d'ici là et je pense qu'on trouvera quelque chose de bien. Et moi je pense que je vais vous surprendre à quelques spécialités locales que vous ne connaissez peut-être pas. À bientôt. Merci, à bientôt. Et en parlant de grands vins de Bourgogne, il en est un qui a marqué l'histoire. C'est le célèbre Gevrey-Chambertin, un vignoble qui est situé un petit peu au sud de Dijon, puisqu'il paraît que c'était le vin favori de Napoléon Ier. Et pendant la campagne de Russie, on sait qu'il a fait très très froid, au point que c'était l'aide de camp de Napoléon qui était chargé de garder contre sa poitrine la bouteille du jour pour que l'empereur puisse le boire chambré. C'est pas chic ça quand même. Bon, il n'empêche qu'il a perdu la bataille de Waterloo et certains disent que c'est parce qu'il n'avait pas eu son verre de Gevrey-Chambertin. Cela dit, une bataille qui se passait à Waterloo ne pouvait pas être gagnée par un amateur de grand vin. Je tire le fil aux origines de la vinification en rendant visite à Thibault, l'un des derniers tonneliers de la région à Villers-le-Fay. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Thibault. Bienvenue. Alors, merci. Alors vous êtes tonnelier. Eh oui. C'est un beau métier ça. C'est un beau métier, oui. Donc sans vous, pas de grand vin. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça.
première étape de ce métier méconnu, transformer des chênes de la région en merrains, sorte de lattes empilées comme le veut la méthode ancestrale de séchage en clair. Cela permet d'exposer le bois aux intempéries afin qu'il sèche à l'air libre durant pas moins de 2 ans, avant d'être à nouveau transformé en douelles pour leur donner une forme concave. Les douelles peuvent alors être usinées à la tonnellerie. On va passer à l'assemblage des douelles de façon à monter un fût. Hein. C'est ce qu'on appelle le montage en rose. Pour composer un fût, on a environ une trentaine de douelles. Ouais. Voilà, et elles sont simplement juxtaposées autour d'un cercle. Et c'est ce qui va définir un tonneau. C'est là qu'on voit que la découpe des douelles, préalablement, est très importante. Hein. Alors, pour pas qu'il y ait de fuite. Exactement. C'est un vrai jeu de Mikado. Hein. En effet. Ah, et alors là, vous faites quoi? Vous tirez la clé. On va mettre la dernière. Et comment c'est possible que vous tombiez pile, juste dans le serrage des douelles? Donc précédemment, on a établi nos fûts avec un gabarit. Vous n'avez pas pris des douelles au hasard, voilà. D'accord. On évite. Et en plus, pour la conception du fût, il est mieux de sélectionner les merrains et aussi d'équilibrer. C'est-à-dire on a toujours une petite, donc une moins large, à côté d'une grande. Voilà, ça c'est pour équilibrer le fût, pour qu'il ait une forme bien régulière. Une fois le tonneau assemblé, c'est avec une chasse et un marteau, outils indispensables du tonnelier, que Thibaut resserre les douelles à l'aide de cercles qui vont ceinturer le tonneau. Donc Thibaut, vous devriez porter des bouchons d'oreilles, hein ? Logiquement, on en porte. Ah bon ? Vous me rassurez, parce que ça envoie du bois, comme on dit. Donc là, une fois que le fût est préparé, on va passer à l'étape du cintrage. Ah, d'accord. Le cintrage, en fait, on va rassembler les douelles du bas au même diamètre que le haut. D'accord. Et donc pour ça, on a besoin d'eau très chaude et du feu. Ici et avec ces, comment vous appelez ça? Donc, sur le cabestan, c'est un cabestan, les mâchoires vont se resserrer. Le bois qui aura été assoupli par l'eau et par le feu. Exactement. Et donc là, on peut sentir les arômes. Ça sent vraiment la pâte à pain fraîche. Ouais, c'est grave. L'étape suivante, c'est la cuisson. Et ça, c'est très important. On va marier le bois avec le vin. Par la chaleur, les tanins qui sont concentrés dans le bois vont cuire et donc s'assouplir. Voilà. Plus vous avez de tanins, plus vous allez apporter l'aromatique du bois sur le vin. Mais vous, votre travail, c'est justement d'en apporter un peu, mais pas trop, d'où la chauffe, cuisson. Voilà. Donc finalement, vous n'êtes pas seulement un fournisseur pour le viticulteur, vous êtes aussi un partenaire dans l'élevage du vin. Exactement. Il est vraiment capital de ressentir ce dont il a besoin. Et en fonction de cela, nous, on va lui conseiller un type de bois et un type de chauffe. Cette fameuse cuisson, elle prend combien de temps? Alors, la cuisson en elle-même va de 50 à 100 minutes. C'est une cuisson vraiment très longue. Oui, c'est très variable. Exactement. Selon les vignerons. Selon les vignerons. J'ai compris que plus la chauffe était longue, moins les arômes du bois étaient prononcés. Voilà. Je vous propose d'aller voir la mise en place d'un fond. Donc aujourd'hui, Melvin, qui est notre apprenti, en ce moment, il est en train d'empâter. Donc c'est simplement de la farine et de l'eau. C'est ce qui va servir au joint d'étanchéité. C'est un joint d'étanchéité naturel. On n'a pas de colle, on n'a pas de vis, on n'a rien du tout. C'est simplement sous la pression des cercles qu'on fera l'étanchéité entre chaque douelle. Et Melvin, ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? 6 mois. 6 mois et vous êtes déjà aussi aguerri? Bah, je ne suis pas autant que vous le croyez. Ah bon, il paraît en tout cas. Qu'est-ce qui fait qu'on a la vocation de devenir tonnelier alors? Bah, c'est un métier intéressant que j'avais envie de découvrir moi. Donc je me suis lancé et puis aujourd'hui je suis toujours là et puis c'est pas fini quoi. Mais c'est le plaisir quoi, de travailler avec ses mains, de travailler le bois, la matière vivante, c'est ça? Ouais. Et puis il y a un côté artisanat quand même. Ouais, beaucoup. Ouais. C'est avec de jeunes apprentis comme Melville que ce savoir-faire pourra perdurer, même si les cuves en inox qui conservent les arômes du fruit sont une véritable alternative. Je comprends mieux aujourd'hui en quoi le fût de chêne participe à l'élevage du vin et façonne son goût. Alors ça concerne quel pourcentage de vin en France, par exemple, l'élevage en fût neuf? On évalue à peu près aux environs de moins de 2% de l'élevage sous bois. Ah oui, donc c'est vraiment très exclusif en fait. Hein. Exactement. Alors moi j'aimerais bien pouvoir déguster un vin
vinifiés, élevés dans vos fûts, dans un fût neuf et un autre dans un fût plus ancien pour voir vraiment l'influence du bois. C'est possible, ça? Je vous propose de faire une dégustation sur deux échantillons. Ah oui? Qui vous permettront de voir. Directement du fût? Du fût et de la cuve. Ah, c'est chouette, ça. Mais alors, dans ces cas-là, je vous donne rendez-vous au grand banquet. Enfin, grand, je m'emballe. En tout cas, je vais organiser un banquet avec les gens que j'aurai rencontrés ici en Bourgogne. C'est pas loin, c'est à Pouligny, ça. Un nom qui vous parle, hein, pour maintenant. Pouligny-Blagny. Et du coup, bah, si vous pouvez venir avec ces échantillons-là pour qu'on fasse la dégustation tous ensemble, ce serait sympa. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci, Thibaut. À tout à l'heure. Notre voyage, je vous propose de retrouver un autre village dont le seul nom fait rêver, Pouligny-Montrachet. On va se retrouver dans un petit hameau à deux pas de là, qui s'appelle le hameau de Blagny, chez Jean-Christophe et Isabelle, qui ont ouvert une très jolie chambre d'hôte, qui nous accueille pour le banquet, et chez lesquels on va préparer un dessert très ancien, lui aussi, qui s'appelle le tartouillat, avec un de leurs copains, Christian. Alors le tartouillat, je crois que c'est une sorte de flan, de clafoutis, cuit dans une feuille de chou. Mais il paraît que ça sent pas le chou, je vous rassure. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue à la maison. Ah, merci, c'est sympa de m'accueillir. Et donc c'est une maison qui est une maison familiale? Tout à fait, c'est une ancienne maison familiale qui a abrité mes aïeux quand ils sont arrivés en 1875. Ouais. Et que nous avons restaurée et ça permet d'accueillir beaucoup de monde. Allez, on rentre, voilà. On va voir. Christian est à l'intérieur? Oui. Oui, il vous attend. C'est magnifique. C'est un beau travail de rénovation. Et voilà la belle cuisine et le cuisinier. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah oui. Et j'ai pas de mal à deviner. Hein. Oui. Vous êtes déjà retenu. Oui. Un petit peu de ventre aussi. Mais mon tablier, moi aussi, il faut. Bon. C'est peut-être mieux, non? Bah oui. Hein? Bah, allez, ouais. on va faire sérieux maintenant que je suis avec un chef. Merci, à tout à l'heure. C'est quoi ce tartouillat? Parce qu'un dessert avec une feuille de chou, c'est pas courant quand même. Alors ce tartouillat, c'est un très très vieux dessert bourguignon qui a été complètement oublié, mais que moi, j'ai mangé quand j'étais tout petit, ouais. Que mon grand-père me faisait, ouais. Et que mon père faisait également, parce que mon père était boulanger-pâtissier de métier. Et j'étais voir des anciens du village et tout. Ça fait un vrai travail, oui. de compilation de recettes. Je l'ai mis sur mon blog, et puis voilà. Une sorte d'anthropologue de la cuisine. Voilà, on peut dire, ouais. Comme ça. Alors. Nous débutons en nous attaquant à cet ingrédient plutôt inhabituel pour un dessert. Alors il faut quoi comme chou, dis-moi? Un chou paumé. D'accord. Pas perdu, hein, paumé. Ah, ça commence fort. Attention. On va... Je détache les feuilles. Oui, et on va essayer de prendre les plus paumées. Ah, les je plus, comprends. Les plus creuses, par exemple, celle-ci. Les plus creuses. Est magnifique. En voilà. Fait, l'idée, c'était quoi? De remplacer le récipient par c'est une ça. Feuille de c'était chou. C'était un moule. C'était un moule. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on ne disposait pas de moule, ben, à l'époque. Voilà. Et du coup, on utilisait la feuille de chou comme réceptacle. Voilà. Ils étaient quand même malins, les anciens. Ah, c'est... Il fallait aller la trouver, cette recette. Ah, c'est... Alors là, maintenant, on va préparer l'appareil. Qu'est-ce que tu as pris? Farine d'épeautre? C'est le petit frère du blé. Ouais. Donc, on va prendre un verre mesureur. Il paraît que c'est très bon pour la santé, d'ailleurs. Très riche en vitamines et en minéraux. On va mesurer 500 grammes de farine. 500 grammes. On mettra dedans. Alors, à l'ancienne aussi, hein, pas de balance électrique. Ouais, en fait, toi, tu tamises à la main, quoi, tranquille. Ouais. Avec un fouet, c'est plus simple. Une petite pincée de sel. Mm-hmm. Là, on va mettre un petit peu de sucre. Ouais. Pas beaucoup plus que ça? Non. Ah bon? Ouais, c'est à peine sucré, donc. Voilà. Nous ajoutons maintenant du lait entier, plus riche, qui viendra compenser l'absence d'œuf. Et cela à vue de nez jusqu'à l'obtention d'une pâte ni trop liquide ni trop épaisse. Elle ne doit pas couler en dehors du moule. C'est quand même une recette modeste, quoi. On faisait vraiment avec ce qu'on avait. C'est ça. Pas de beurre. Non. Pas d'œufs. C'était les produits de première nécessité, finalement. C'est ça. Donc, en fait, c'est une sorte de... Fruits de saison oblige, nous pelons et épépinons des pommes. Idéalement de variété Rainette ou Canada, elles doivent se tenir au four, être acidulées et peu sucrées. Elles sont ensuite intégrées à l'appareil qui, habituellement, repose avant d'être enfournées. Nos invités arrivant bientôt, nous dérogeons à la règle et garnissons nos feuilles qui font office de moule. Une bonne cuillère, comme ça? Oui, vas-y. Dis donc, c'est coton, ton histoire, hein? Hop. Quand même un sens, c'est cette recette. Hop. Attention, attention. Au milieu. Nous enfournons à feu très vif afin que la pâte soit rapidement saisie avant que les feuilles ne s'affaissent.
Et là, on attend combien de temps, Christian? Eh bien, minimum 7 minutes. Ah bon, c'est hyper court. 7 maximum. Ça dépend des fours. Ouais. Voilà, ça, entre 7 voilà. et 10 minutes. Voilà. Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Pour réaliser une dizaine de tartouillas comme Christian, il nous faudra 500 g de farine d'épeautre, 65 cl de lait entier, 4 pommes pelées et épépinées, une bonne cuillerée à soupe de sucre, une pincée de sel et 10 feuilles de choux paumés. Oh, c'est drôle, c'est quand même inouï cette recette. C'est plutôt agréable, là, le chou torréfié. Hein. Voilà, un petit peu grillé et ensuite... Ouais, absolument. Il y a un côté un peu fumé. Il n'a pas attaché du tout à la feuille de chou. Ouais. Parce que là, on peut regarder. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, c'est facile à servir. Voilà. À peine nos tartouilles refroidies, Isabelle et Jean-Christophe, nos hôtes, sont déjà en train d'accueillir nos invités à l'extérieur. Cécile du Château Pommard, Valérie et Jean-Luc, les bras chargés de leurs délicieuses pochouses, tous ont répondu présents, sauf Alain, retenu à son écluse évidemment. Merci à Isabelle, merci à Jean-Christophe de nous accueillir. Avec plaisir. En plus, vous avez commandé le soleil. Exactement. Qu'est-ce donc, jambon persillé ? Jambon persillé. Alors, spécialité de quel coin ? Ah, ben de la Bourgogne, ça. De la Bourgogne en général, ah oui. D'accord. Ah, salut Thibault. Comment ça va ? Salut. Bonjour. Comme prévu. Oh, ça c'est chouette. Échantillons. Alors, raconte-moi donc la différence. Fût neuf. Un fût neuf. Et un fût ? En fût depuis fin septembre. Et puis, sur un plus vieux fût. Un fût qui a 5-20, donc qui n'apporte plus l'apport de bois, qui est simplement un contenant. Je veux bien goûter, alors voilà, ça, avec on va plaisir. Ça, ouais. Hein, voir l'évolution. Dans un petit coin, je suis pas sûr qu'il y en ait pour tout le monde. Non, c'est de la dégustation. Donc là, tu vas ressentir beaucoup plus le côté aromatique oui. du fruit. Oui, il y a une vraie fraîcheur. Un petit peu, voilà, fraîcheur du fruit. Alors qu'ici, tu auras beaucoup plus de longueur. Ah oui, c'est voilà. évident, tu as raison. On a une grande, grande évolution ouais, et ça pousse plus puissant en bouche. Exactement. Effectivement, ça reste sur le palais. Je vais plutôt choisir finalement le tonneau jaune. C'est mieux, hein, ouais, hein ouais. Allez, on y va. Allez. La pochouse. Surtout, il ne faut pas oublier le crouton aillé. Le crouton aillé. Vous allez voir, c'est ce qui rehausse le plat. Oui. Un condiment bien local pourra aussi rehausser le plat, la fameuse moutarde de Dijon. Et c'est Marie-Thérèse, qui a été à bonne école avec son cuisinier de mari, qui m'éclaire sur cette spécialité. Pourquoi Dijon ? Parce que, en général, on trouvait ce condiment dans les endroits viticoles. Parce qu'on se servait... Le verjus. Voilà. Le verjus qui est le jus du raisin vert, c'est Au ça départ, c'était du jus de raisin vert, verjus. Et puis aujourd'hui, c'est un assemblage de eau, sel, vinaigre d'alcool et vin. On cuisinait beaucoup au verjus. Ah ben bien oui. sûr, c'était essentiel. C'était le vinaigre de base, hein, le verjus. On va quand même goûter la pochouse. Moins épicée, mais tout aussi parfumée. Et un brochet qu'on a traqué, je peux vous dire, des heures durant. Ah ouais. Vraiment. Il voulait avec pas... Jean-Luc. Valérie, elle est extraordinaire. Somptueuse, hein. Alors moi, j'ai une question. Pourquoi appelle-t-on ce département la Côte d'Or ? C'est simplement les coteaux ? Alors, premièrement, parce que le vin, c'est de l'or pour la région. Deuxième raison, en automne, le feuillage de la vigne prend une couleur or et la région devient donc Côte d'Or. Et la troisième raison, c'est que toutes ces grandes appellations sont orientées à l'Est. L'Est, c'est l'Orient, la Côte d'Orient, donc la Côte d'Or. Et on y fabrique du chocolat avec des grosses noisettes aussi. Alors, ça n'a rien à voir. Les queues de... On précise deux cochons. Ouais. Deux cochons. Les queues de cochons. Voilà. De Jean. Et... Donc, c'est un plat qui est typiquement bourguignon, mais qui est très ancien. Est-ce que vous le connaissiez les uns et les autres ? Non. Du tout. Alors là, c'est une première dans l'histoire de l'émission. Hein. Voilà, tu nous as scotché. Hein. C'est un produit régional et donc il faut le relancer. Faut le relancer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr. C'est excellent. En tout cas, Jean, chapeau, hein, c'est vraiment bon. La Bourgogne, c'est aussi un terroir de fromage. Du Brillat Savarin, enroulé dans du son de moutarde, dit délice de Pommard. Les pois, c'est sa déclinaison, le trou du cru, affiné dans du marc de Bourgogne. Et le fromage de Citeaux, fait par les moines cisterciens, parmi tant d'autres. Comme vous pouvez voir, j'aime pas le fromage. On les déguste avec l'un des grands vins apportés par Cécile. Rien n'est laissé au hasard, pas même la forme de la bouteille. En fait, cette bouteille, c'est la reproduction de la bouteille d'origine, la bouteille du XVIIIe siècle, qui était soufflée en bouche, avec donc un cul de bouteille très profond pour le servir. On met le pouce dans le trou du fût. Voilà. Vous voulez un peu de trou du cru ? Alors,
la superficie des vignes ici dans le Bourguignon, c'est beaucoup moins que dans le Bordelais, qui est l'éternel exemple quand même, non, j'imagine. C'est très petit et c'est très caractéristique parce que tous les vignobles sont autour de chaque village. C'est pour ça qu'ils portent le nom des villages. À comparer du monde bordelais où c'est des châteaux. Le nom du château. Avec des vignes qui sont autour, tandis qu'en Bourgogne, c'est le village. Autour du village, vous avez diverses appellations. En fonction de l'emplacement des vignes, c'est déterminé en appellation générique, appellation village, premier cru ou grand cru dans certains villages. Les vins des Hospices de Beaune, ils font partie de ces quatre appellations. Ils regroupent les quatre. Bien sûr. Et vous allez, les uns et les autres, assister aux ventes aux enchères? C'est un rendez-vous pour les Bourguignons? Ah oui. Bien sûr. On en parle dans le monde entier, en tout cas. Hop. Ouais, c'est comme un clafoutis, une grosse crêpe. C'est vrai que c'est étonnant. On n'a pas du tout le parfum du chou. On l'a au nez, quand on est au-dessus de l'assiette, mais on l'a pas du tout en bouche. C'est moelleux. Parce que la pomme doit communiquer un peu de son jus à la cuisson. Et ça reste très moelleux. Hein. D'où le choix des pommes. Ça se fait avec du raisin aussi, hein? Bah oui, mais il n'y en a pas dans la région. Du raisin? Eh ben nous, on va reprendre la route. On va quitter la Bourgogne, cette terre d'exception, si généreuse, si hospitalière, les fiers bourguignons. Et puis, on va surtout partir à la recherche encore de traces du passé qui éclairent tant le temps présent. Soyez avec nous. Salut, à la prochaine dans les carnets. Alors, est-ce que vous pourriez être avec moi pour le banquet que je vais faire à la fin de mon séjour? Il n'y a pas de souci. Je serai là, je serai présent. Et venir avec quelques-unes de vos belles queues. Enfin, difficile quand même. Il y a des queues qui se font aussi dans d'autres pays. De cochons? Oui, de cochons. Alors, je me cherche.